Bon là, bon putain, je pense qu'il serait sorti hein. Mais c'est tout de fou. Voilà. Par là-bas. Super dangereux, mec. Oh non. Ça va? Ça va, petit. Tu vas bien? Oui, 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 oui. Et toi, est-ce que ça va? Je vais bien. Ça va. T'es sûr que ça va? Oui, ça va aller. C'est fini. Je m'en sortirai. Non, non, bon, je... écoute. Je dois retrouver papa, d'accord? Non. Miles, papa. Non! Miles, non! Papa est ici. Je vais le trouver. Papa est en vie, je le sais. Ah mais c'est super dangereux ce que tu fais là, mon gars. Il était juste là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Merde. Tu crois aller où comme ça? 5-4. Je peux longer le bord pour les contourner. Parle. Parfait. Attention au bout de verre. Non! Non! T'es bien, mon Woody. Pas pour l'instant. Je dois trouver un moyen de les contourner. Ok. C'est ça. Putain, ils rigolent pas, eux. Papa était juste là. Je dois l'aider. Détonneur! Nous devons partir, tout de suite. Surprise, surprise. Papa,
Papa. 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 Papa, non. Réveille-toi, papa. Réveille-toi, allez. Réveille-toi. Merde. Une semaine plus tard. Toutes mes condoléances. Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Peter Parker. J'étais à l'hôtel de ville quand... Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais... Je voulais seulement te dire... Je comprends ta douleur. C'est bien ce que t'allais dire, pas vrai ? Ou... La douleur s'estompe avec le temps. Ou ne t'en fais pas. C'est Dieu qui a un plan pour tous. Je suis désolé, j'ai essayé seulement de... Seulement de m'aider. Je sais. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment je vais faire avec lui. Je suis désolé, Jeff. Je suis occupée. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez lancé les recherches sur Martin Lee ? Non. Je vous ai dit que je pouvais pas engager une chasse à l'homme sur la base d'une intuition de Spider-Man. Mais puisque je vous dis que c'est votre homme ! Apportez-moi des preuves tangibles et on en reparlera. Des preuves tangibles ? Super. Salut, c'est moi. Salut. Alors, comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui a merdé, et à cause de qui un gamin a perdu son père. Je te connais trop bien pour essayer de te convaincre du contraire. Et la police, ils ont des pistes sur lui ? Non, ils le cherchent même pas. Manuri me croit pas. Alors c'est à nous de le retrouver. J'ai fait quelques recherches. Rends-toi à cette adresse. Martin Lee a acquis une participation majoritaire dans ce centre de tri l'année dernière. Tu penses que c'est là-bas qu'il se cache ? Possible. On sait qu'il est pas office. S'il n'est pas non plus au centre de tri, il y aura peut-être des indices qui permettront de le retrouver. Ouais. Beau travail, MJ. Je t'appelle si je trouve quelque chose. Oh, une dernière chose. Un inspecteur m'a parlé des démons qui se font interroger. Ils prétendent tous que Martin Lee a la capacité, je cite, de corrompre la population. Corrompre ? Merde. Je suis arrivé trop vite. Le tuyau d'MJ était juste. Cet endroit grouille de démons. Je dois me débarrasser d'eux. Je ferai du repérage après. Sois royal.
dans ta gueule. Ok, le compte est bon. Une serrure haute sécurité. C'est plus courant dans les banques que dans les centres de tri. Je pourrais peut-être trouver d'où vient l'alimentation. Je devrais pouvoir contourner le circuit. Il me faut mes toiles électriques. Bon, au moins ça marche, et on dirait que les circuits ont besoin d'un peu plus de jus. Je dois trouver une boîte de dérivation. Et voilà. Le circuit a l'air encore stable. Une autre boîte de dérivation dans le coin. On y est presque. Encore une et ça devrait être bon. Trouvé. Voilà, ça devrait faire. Et voilà. Et ça va traverser. Mal de matos high-tech. Peut-être que je pourrais recycler tout ça pour m'en faire des armes. Ça doit être là qu'il compte frapper. Attends, c'est le bureau de campagne d'Osborne. Tous les itinéraires partent de la même adresse. Ce sont des explosifs du chantier de Fisk. Camion piégé ? C'est dingue ! Ça vient de l'armurerie de Fisk. C'était pas une guerre de gang. Les démons n'ont volé Fisk que pour s'en prendre à Osborne. Salut, t'as trouvé Lee ? Non, mais t'avais raison. Lee utilise cet endroit comme planque pour les démons. Y a des bombes, des armes. Oh, c'est pas vrai ! Et on dirait qu'il prépare une autre attaque. Cette fois contre le bureau de campagne du maire. Lee doit avoir une dent contre Norman Osborne. J'ai trouvé une adresse. Je crois que c'est leur base d'opération. Si je me dépêche, je devrais pouvoir les arrêter. Sois prudent. Yuri, c'est moi. Faites vite, mon chef m'attend pour me passer un savon. Martin, Lee et les démons préparent une nouvelle attaque. Cette fois contre le bureau de campagne de Norman Osborne. Vous êtes sûr? Parce qu'on a eu pas mal de fausses pistes cette semaine. Faites-moi confiance. Je vous envoie l'adresse d'un centre de tri. Vous y trouverez toutes les preuves dont vous aurez besoin. Entendu. Je vais faire évacuer ce bureau de campagne. Et si je fais ça pour rien, vous aurez mon licenciement sur la conscience.
Consolidated Shipping. Il y a du monde. Faut que j'essaye d'y aller discrètement. Mais aussi avec style. Je peux utiliser ce que j'ai trouvé au centre de tri. La classe! J'adore utiliser les armes des méchants contre eux. Et ça, mes amis, c'est ce qu'on appelle le karma. Come on. Merde. Tu dégages toi. Pas là. Je ferais bien de regarder à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que je pourrais acheter ? Ils sont des bases aux quatre coins de la ville. Ouais, qu'est-ce que je peux bien trouver d'autre ? La facture d'un garage. Pale Horse Rides. Eh bon, c'est fait plaisir, on dirait. C'est pire que ce que je pensais. Les démons disposent carrément d'une armée. Oh, merde. Comme si un seul foie mortel suffisait pas. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais clairement pas à ça. Hé, hey, MJ, je crois que j'ai fait échouer l'attaque des démons contre le bureau de campagne d'Osborne. Bien joué. Est-ce que t'as trouvé Lee ? Non, mais j'ai trouvé quelque chose qu'il faudrait creuser. Un endroit appelé Pale Horse Rides. Ça me dit quelque chose. Je vais vérifier, je te tiendrai au courant. Et voilà. J'ai dit au tour. Oh.
Compris, Silverbird, nous nous dirigeons vers l'emplacement. En voilà un autre. Paré à tirer. C'est nouveau, ça. Non, celui-là est pour moi. Je vais lui mettre une balle à ce fils. Hey, c'est pas comme ça qu'on fait. Code SM1. Wow. Et avant de commencer, on pourrait se présenter. Code SM1. Nous attendons les ordres. Reçu code SM1. Visuel confirmé. Attendez Silverbird. Ouais. Ah, sur l'échelle de je me la raconte, c'est 8 sur 10. Merde. Ok, 9 sur 10. Relâchez-le. Il est avec nous. Yori, vous pouvez m'expliquer ? Voici Silver Sablinova. Elle dirige Sable International, une force de sécurité privée. Elle a été engagée par le maire Osborn. Ah, le maire a son armée perso maintenant ? La prochaine fois que vous êtes dans mes pattes, je serai pas aussi gentille. Allez-y. On se voit plus tard.